Wesh wesh les petits loups et les loutes, nous sommes le samedi 26 juin de l'année 2020. Et je suis en train d'écouter la chaîne YouTube Scary Podcast. Wally, wally, wally. Alors, quoi de neuf, docteur? Ce soir, j'ai eu un ancien copain, un trial, au téléphone. Joël Young, que j'ai un ami Facebook, que je salue, ça fait au moins 20 ans qu'on s'est pas vu. Plus, puisque Joël m'a dit que ça fait 25 ans qu'il fait plus de moto. Et alors, je vais faire une vidéo spéciale pour ses parents, donc Daniel et Muriel, que je salue, et dont j'ai dit à Joël aujourd'hui que j'avais donc pour eux un immense respect par rapport à tout ce qu'ils ont fait. Tous les trials qu'ils ont organisés, Urbes, le premier trial indoor au Hall Rhenus à Strasbourg. J'ai participé à ce trial à l'époque sur la JCM. Et puis j'étais pas prêt, la moto marchait pas. Je me souviens, je m'étais pris une sacrée bourde sur une espèce de gros rondin électrique en restant accroché avec le sabot moteur avec la JCM. J'avais valsé par-dessus, la moto. L'accélérateur était resté bloqué et je me souviens que j'avais fini dans l'ambulance. Il y avait le pneu Michelin X11 qui avait laissé du noir là partout. Et puis ils m'avaient désinfecté ça, ils avaient enlevé la gomme, enfin c'est l'aspect gore. Donc Joël m'avait dit que ça leur ferait un pincement. Parce que malheureusement, j'étais un rebelle, j'y suis toujours, encore un petit peu. Et puis, je vous passe un coucou. Best greets for Joël and Daniel and Muriel Young, qui ont fait énormément, pour parce que j'ai expliqué à Joël cet après-midi, pour arriver à mettre mettre ensemble une bande de selfish parce qu'il n'y a pas plus égocentrique que le trial et déjà on est tout seul dans la zone, on dirait pas plus, arriver à essayer de créer une communauté de gens qui ne pensent qu'à eux. En n'ayant qu'une seule idée, c'est de faire pipi plus haut que le cul de son voisin. C'est très très difficile. Voilà. Donc, Daniel et Muriel Young, chapeau pour ce que vous avez fait pour le trial. C'est grâce à des gens comme vous qu'on a pu s'amuser les dimanches dans les paddocks. Et puis pratiquer notre sport favori, qui, même s'il a des côtés un peu gore, il y a quand même l'aspect positif, je dis toujours, le trial pour moi, ça m'a amené énormément, à savoir que ça, c'est toujours encore la combinaison de trois passions, c'est l'amour de la nature, le trialiste aime la nature, il pollue très peu. Hein, donc un coucou aux écolos bornés. Save the bees, save the trees, save the snails, save those whales, comme il chante George Kahn. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit, et puis je vais envoyer ça sur YouTube. Voilà, très bon samedi à toutes et à tous. Et à la fin.